bienvenue sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, on réalise des cigares de poulet au poivron. La recette est vraiment super facile. C'est parti. Alors, on aura besoin d'un poivron rouge confit, un peu d'harissa, 500 g de blanc de poulet haché, un oignon haché, une poignée d'olive verte, une cuillère à soupe de jus de citron, du sel, du poivre, du gingembre moulu, l'équivalent d'environ une cuillère à soupe, des feuilles de brique et 100 g de fromage râpé. On va commencer par éplucher donc le poivron confit. Alors très simple, je l'ai mis sur une plaque, je l'ai arrosé d'huile et j'ai mis ça au four environ à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite je l'ai sorti et je l'ai laissé donc refroidir. Alors une fois celle-ci retirée, donc on pense à retirer également les graines qui se trouvent à l'intérieur. Donc là j'ai commencé à en retirer un petit peu. Alors maintenant on va couper donc ce poivron en petits dés. Alors je commence par des longues lamelles et ensuite je viens ici les couper. Dans la poêle chaude je mets un petit peu d'huile et je verse donc les oignons hachés. Et là on va les cuire pendant environ 2 minutes. On va pouvoir y ajouter donc le poulet haché. Alors, on le détache. Ensuite, on y met donc un petit peu de sel. On continue avec le poivre. Et le gingembre en poudre. Et là, on finit de détacher donc la viande. On y ajoute les poivrons. On mélange. Après ça, on vient y déposer donc les olives coupées en rondelles. On mélange comme il faut. Alors, l'harissa, c'est facultatif. Moi, je vais en mettre très peu. Mais si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Et là, on mélange comme il faut. Allez, on va mettre le jus de citron. Alors, il faut le mettre vraiment à la fin. Une fois que vous l'avez mis, il faut penser à éteindre le feu. Alors, dernière étape avant le montage de nos cigares, on va y mettre donc le fromage râpé. Alors, on va commencer le pillage. Alors là, je récupère un petit peu de farce. Donc on essaie de mettre un petit peu de tout. Ensuite, on récupère cette partie-là et on va venir serrer donc notre farce. Ensuite, on rabat les deux extrémités et on finit de rouler. Alors, petite astuce, on va réaliser une colle alimentaire. Alors, on a une cuillère à soupe de farine et on va verser donc un petit peu d'eau. Et là, avec le pinceau, on va mélanger. Alors, je vous conseille de mettre donc une cuillère à soupe de farine et commencer par une cuillère à soupe d'eau. Alors ensuite, on récupère donc la brique. On met donc très peu de colle. Et là, on vient la refermer. Et là, je mets ça de côté. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile et je vais commencer à cuire les cigares côté fermeture. Alors, on commence sur un feu donc doux et on surveille la cuisson. Allez, on va pouvoir les retourner. Alors voici mon petit moment préféré, je vais tout de suite passer à la dégustation. Alors là les amis, je peux vous dire que ces cigares de poulet au poivron vont vraiment vous épater, c'est vraiment délicieux. Donc ça y est, ma recette est terminée, alors si vous voulez voir d'autres recettes de briques, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Donc j'espère vraiment que vous allez partager, liker et vous abonner, et moi je vous retrouve très vite sur Cuisine Rapide pour des recettes certainement plus faciles.